Nouvelle vague d'attentats en Irak. 10 voitures piégées ont explosé dans des quartiers majoritairement chiites de Bagdad et de ses environs, faisant une quarantaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Ces attaques, qui n'ont pas été revendiquées, pourraient être l'œuvre de groupes sunnites qui s'en prennent régulièrement aux symboles du pouvoir. Un autre attentat à la voiture piégée a fait une dizaine de morts à Mossoul, à 350 km au nord de la capitale. Il semble avoir visé des soldats qui faisaient la queue devant une banque pour récupérer leur paye. Pourquoi c'est à nous que ça arrive, demande cet Irakien. Qui nous a fait ça? Un être humain ne peut pas commettre de tels actes. Ce n'est pas possible. L'Irak connaît ses pires violences depuis 5 ans. La minorité sunnite, qui est une nouvelle fois soupçonnée après ces attentats, s'estime de plus en plus marginalisée par le gouvernement du Premier ministre chiite, Nouri al-Maliki.